Dakar, capitale mondiale de l'eau en mars 2022. Le Forum mondial de l'eau sera l'occasion de poser le débat sur les enjeux géostratégiques de cette ressource. Les acteurs sont à pied d'œuvre pour la réussite de ce forum qui aura lieu à Dakar, à Bibumbaï. L'eau au cœur d'une grand-messe consacrée aux enjeux géostratégiques du liquide précieux que Dakar abrite au mois de mars 2022. On ne le dira jamais assez. L'eau reste un élément vital, un élément essentiel pour la santé, pour l'hygiène, un élément indispensable pour l'agriculture, l'énergie et les transports. Et nous le savons tous, sans sécurité de l'eau, il n'y a tout simplement pas de sécurité nationale. La question du partage de l'eau entre États, cruciale pour la paix et le développement dans le monde. Le Forum de Dakar posera de nouvelles perspectives. Le Forum mondial de l'eau qui pointe à l'horizon, jour J-28, est en fait le Forum africain de l'eau. Et Monsieur le secrétaire exécutif, sous le leadership du président Macky Sall, une équipe a été mise en place qui a fait un travail dont toute l'Afrique peut s'honorer de la qualité. Et je crois que dans 28 jours, nous en aurons la preuve. Preuve également que le réseau africain des organismes de bassin reste prêt pour la rencontre de Dakar. En tant que réseau continental, nous pensons que c'est à travers des plateformes comme le Forum mondial de l'eau que nous pouvons démontrer notre plus-value, non seulement aux bailleurs qui nous soutiennent, mais aussi aux populations que nous sommes appelés à servir. Parmi les organismes conviés à Dakar, l'autorité du bassin du fleuve Niger, entre autres. Moi, je dirais l'année 2022, c'est l'année du Sénégal. Vous venez gagner le CAN et je suis sûr et certain que aussi le Forum mondial de l'eau, ce serait une réussite ici au Sénégal. Nous sommes confiants. Donc, les bassins sont instruments de la paix. Le fleuve Niger traverse 9 pays. Donc, l'eau ne connaît pas de frontières. Il a 9 nationalités. L'inverse aussi, quand vous le prenez, il a 4 nationalités. Donc, ce sont des instruments de paix indispensables. L'Afrique de l'eau a choisi Dakar et l'ONVG donnera sa contribution. C'est un forum dédié à l'Afrique. Il fallait le faire dans un pays, c'est le Sénégal. Mais c'est toute l'Afrique qui est avec nous. Et c'est ensemble que nous allons préparer la contribution que nous voulons donner au Forum mondial de l'eau pour que l'eau soit quelque chose de très important dans le futur, dans l'agenda mondial de tout ce que le monde, les Nations Unies devront faire. Ainsi, rendez-vous est donné dans la capitale sénégalaise autour des enjeux liés à l'eau. Notre pays abrite donc à partir du 21 mars prochain le 9e Forum mondial de l'eau. Quelques 10 000 invités, des chefs d'État et de gouvernement attendus à Dakar. Le secrétaire général du 9e Forum mondial de l'eau a rendu visite au directeur général de la RDS. Abdoulaye Sène en a profité pour revenir sur les enjeux de cet événement. Pour la première fois dans l'histoire, ce Forum mondial va être accueilli en Afrique subsaharienne et va regrouper l'ensemble des acteurs du monde pour échanger sur les défis de l'eau. Les défis de l'eau, mais aussi construire entre acteurs de façon décloisonnée les réponses qu'il conviendra d'apporter aux grands enjeux de l'eau. Ce forum qui se tient en Afrique aura pour vocation de fournir un éclairage particulier sur la situation de l'accès à l'eau en Afrique. Et en réalité, nous le savons, c'est en Afrique que les perspectives économiques, les perspectives écologiques sont les plus dépendantes de l'eau. Si vous regardez les chiffres, vous verrez qu'en termes de taux d'accès à l'eau, l'Afrique enregistre les taux les plus faibles. Et la volonté du président de la République, Macky Sall, c'est de faire en sorte que ce forum de Dakar soit un véritable forum de réponse. De réponse par rapport aux attentes des populations. Faire en sorte que nous puissions accélérer l'action en direction d'un accès universel à l'eau et à l'assainissement. Mais vous le savez aussi, les enjeux de l'eau, c'est tout ce qui touche à la coopération. Et de ce point de vue, le Sénégal reste un pays exemplaire.
un pays loué à travers le monde. Un pays qui a été le premier à avoir porté au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies le débat sur eau, paix et sécurité, pour appeler l'attention de la communauté mondiale sur le fait que l'eau devrait être plus un facteur de solidarité, de paix et de développement qu'un facteur conflictogène. Et le Sénégal a montré le chemin dans la période la plus critique de la sécheresse en 1972. Le Sénégal, avec les pays riverains du fleuve Sénégal, a décidé et a porté avec leur soutien le projet de la création de l'OMVS, en accueillant le siège de l'OMVS ici au Sénégal. Quelques années après, en 1978, le Sénégal a été également un des principaux acteurs pour la création de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. Le président a aussi décidé d'une troisième priorité. Nous sommes à la 9e édition du Forum mondial de l'eau et jamais l'eau pour le développement rural n'a été considérée comme une grande priorité. Le Sénégal, suivant les orientations de M. le président de la République, a décidé de promouvoir l'idée que l'eau devrait être le levier du développement.